Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour. Nous sommes le mardi 13 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Bon, avant de commencer, j'ai une toute petite annonce à vous faire qui va durer 3 secondes. C'est juste pour vous dire que si jamais vous avez cliqué sur le lien de ma boutique MPC pour commander un oracle, sachez que c'est normal si jamais vous ne parvenez pas à vous connecter sur le site puisqu'en fait depuis hier soir, ils rencontrent un problème avec leur site internet. Je pensais au début que ça venait de moi. Et puis, on a essayé sur plein de supports, Cédric, tout ça, on a essayé sur plein de trucs. Et puis, je suis allé voir sur Facebook, en fait, sur leur page, et ils annonçaient qu'ils avaient un souci, en fait, avec leur site web sur lequel ils étaient en train de travailler pour remettre les choses en ordre. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas si vous avez essayé. J'ai eu une abonnée, justement, qui m'a fait la réflexion. Donc, rassurez-vous, c'est normal. On n'a pas accès au site pour l'instant jusqu'à ce que ce soit réparé. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc aujourd'hui, ce sera bibliomancie avec, comme d'hab, maintenant vous les connaissez, les deux livres oracles, le livre des oracles et l'oracle de l'amour de Georgia Rootsis Savas. Je vous refais pas le speech, hein. Celui-ci il est disponible, celui-ci il l'est plus, blablabla. Pour nous accompagner, j'ai failli toutes les foutre en l'air. Pour nous accompagner, les cartes des anges et puis le grimoire des oracles de notre cher Sylvain Wary. Et c'est parti tout de suite. Allez, mardi 13 octobre, tac. Allez, nous avons tiré le prince de coupe qui nous dit oui avec l'aide d'un homme qui n'a pas peur de son côté féminin. Ah. Alors, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire ça? Il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez à faire quelque chose qui soit peut-être purement féminin. Alors, je ne veux pas tomber dans les clichés sexistes, hein, donc je vous laisserai choisir vous-même qu'est-ce qui peut être purement féminin. Mais vous pourriez avoir ou bénéficier de l'assistance d'un homme qui est en, comment on pourrait dire, en osmose avec son côté féminin. Pourquoi pas, ça pourrait nous parler, c'est un exemple. Imaginons que vous alliez aujourd'hui dans une boutique de lingerie. Bon, bah, vous m'excusez, en théorie, soutien-gorge et culotte en dentelle fine, c'est censé être réservé aux femmes, hein. Et imaginons que ce soit un vendeur qui vous reçoive, eh bien, vous allez certainement pouvoir échanger des choses avec ce vendeur, où il sera apte à vous conseiller, même si c'est un homme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir rechercher un conseil auprès d'un homme. Alors, ça peut être peut-être, je ne vais pas tomber dans les clichés, mais peut-être soit un ami gay ou un homme qui, voilà, qui ne refoule absolument pas son côté féminin et au contraire qu'il l'assume, qu'il le revendique. Type par exemple quelqu'un qui est métrosexuel. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que métrosexuel, en gros, c'est un homme qui aime les femmes autant que leurs produits de beauté. Voilà, pour faire simple. Ça pourrait nous parler aussi d'un homme qui sera à l'écoute aujourd'hui de vos attentes, mais de vos attentes vraiment personnelles. Il se peut qu'on soit aujourd'hui soit dans la confidence, soit dans les relations, les échanges. Certainement que vous allez devoir demander de l'aide à un homme pour un sujet peut-être qui est un petit peu délicat à aborder et vous n'avez peut-être pas forcément envie de vous confier envers une femme parce que il faut reconnaître ce qui est, mais très souvent entre femmes, parfois il peut y avoir une sorte de rivalité qui va se mettre en place. Si, je sais comment que ça tourne dans le milieu. En principe, quand y a l'histoire d'un garçon ou quoi que ce soit, enfin dès qu'il y a des choses un petit peu, les femmes ont tendance à parfois se tirer un peu dans les pattes. C'est pas valable pour toutes, bien évidemment. Mais il faut reconnaître que j'ai pu le constater, moi, les différents travaux que j'ai pu avoir. À chaque fois que j'avais des femmes dans mon entourage, je voyais ce qui se passait. Hein. C'était à celle qui se crêpait le plus de chignons et qui balançait le plus de saloperies sur sa collègue. Voilà. Donc je pense que ça doit encore être valable aujourd'hui, hein. Ça n'a pas dû beaucoup évoluer. Et donc peut-être que par rapport à ce problème qui vous est propre, vous n'avez pas forcément envie de vous confier envers une autre femme qui pourrait peut-être soit avoir une opportunité un peu malsaine dans votre difficulté, dans votre désarroi, dans votre peine. Et peut-être que vous voulez plus vous tourner vers un homme qui en plus serait un regard différent et qui serait peut-être plus à même de vous donner, comment on pourrait dire, quelque chose qui soit plus objectif, hein, une opinion. Je vais vous citer un exemple très concret. Imaginons que
Imaginons que vous rencontriez des problèmes, par exemple, avec votre mari. Si jamais vous en parlez à une copine, va savoir, peut-être que la copine, elle a peut-être des vues sur votre mari, voyez-vous. Donc du coup, le fait de lui apporter certains éléments, elle va peut-être vous répondre de façon à ce que vous preniez une certaine direction, alors que c'est pas le meilleur choix, hein. On va parler très clairement. Imaginons que vous êtes sur le point de rompre, mais il y a encore un espoir que votre couple soit sauvé. Et le fait de vous confier envers une femme qui potentiellement aurait peut-être des vues sur votre mari actuel, eh bien, pourrait vous conseiller de faire certaines choses dans l'objectif et dans le but de vous faire séparer pour mettre la main dessus. Voyez la situation? Bon, bien sûr, c'est pas valable pour toutes, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne veux pas me faire insulter dans les commentaires. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et le fait du coup que vous parliez auprès d'un homme, imaginons le meilleur ami de votre mari ou un truc comme ça, ou même votre meilleur ami à vous, hein, parce que l'amitié entre hommes et femmes, ça peut parfaitement exister, moi j'y crois. Et le fait que vous confiez à lui, du coup, il va pouvoir vous donner une opinion en tant qu'homme et peut-être vous apporter une solution que vous n'auriez pas vu ou à laquelle vous n'auriez pas pensé, puisque il faut reconnaître les choses. Certes, hommes et femmes sont sur le même pied d'égalité, mais on a des façons de réagir et de réfléchir qui sont différentes. Et le fait parfois d'avoir l'avis du sexe opposé, ça peut nous permettre, eh bien, de voir la situation d'une façon complètement nouvelle et différente, et de pouvoir appréhender une problématique ou une situation à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, d'emprunter un chemin, une voie qu'on n'aurait pas forcément sélectionné de prime abord. Et puis effectivement, le fait qu'on nous le propose et qu'on nous l'aborde sur un angle différent, ça peut être une solution. Ensuite, on a la réponse oui. C'est vrai que je ne vous ai pas développé la réponse oui. Autrement dit, il pourrait y avoir une solution qui pourrait se présenter à vous aujourd'hui. Mais oui, avec l'aide d'un homme qui n'a pas peur de son côté féminin. Quand je vous parlais ici d'échange, pour moi ici, la clé de la solution, elle ne peut pas venir toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique que vous allez peut-être rencontrer, ou l'énergie, ou la situation que vous allez rencontrer, vous n'avez peut-être pas les armes nécessaires pour pouvoir la mener à bien, voyez, pour arriver jusqu'au bout. Et pour le coup, il vous faudrait une aide qui soit extérieure. Alors attention au côté féminin, ça peut être aussi... Pour moi, un homme avec un côté féminin, ça peut être un homme qui a une grande sensibilité, un homme qui n'est pas bourru, vous voyez, l'inverse du macho, hein, c'est-à-dire que ça va être l'homme qui va être à votre écoute, qui sera attentionné, qui va vraiment écouter tout ce que vous avez à dire et qui va essayer d'identifier les problèmes pour vous apporter une solution. Ça pourrait, pourquoi pas, nous parler d'un psychologue. Pourquoi pas? Ça peut nous parler comment ça s'appelle? D'un médiateur. Médiateur, quelqu'un peut-être de conciliant qui va essayer de trouver une solution. Peut-être que aujourd'hui vous allez faire face, comment on pourrait dire, à une sorte d'altercation. C'est comme ça que je le ressens. Et pour moi, la solution, elle ne peut pas être réglée telle quelle. Je pense qu'il faut une troisième personne, il faut une tierce personne qui sera là pour concilier les choses, pour jouer le rôle de tampon et de médiateur, hein, entre les deux parties. Et il faut quelqu'un qui soit à l'écoute de vos besoins. Certainement qu'aujourd'hui, vous allez faire face à un besoin particulier. Et seul un homme qui est vraiment investi dans votre cause, dans une cause féministe, j'arrive plus à parler, c'est pénible. Soit c'est un homme qui est engagé dans une cause féministe, soit c'est un homme qui est engagé dans votre cause. Imaginons comme en ce moment c'est la pleine période, on est dans la période rose, hein, pour le soutien au cancer. Peut-être justement que vous pourriez trouver le soutien d'un homme, alors pas qui a eu le cancer du sein, mais qui a traversé effectivement un cancer, donc du coup qui est apte à comprendre aussi ce que vous traversez. Voyez, pour moi c'est ça le côté féminin. Ça peut être soit vous avez un point commun avec cet homme, soit il lutte pour la même cause que vous, soit c'est un homme qui travaille avec les femmes, qui est habitué à travailler avec les femmes, soit c'est un homme qui a une grande sensibilité, qui sera vraiment à votre écoute et qui sera capable de pouvoir vous aider, vous apporter une solution. Mais ici, pour moi, il y a vraiment une relation avec un homme aujourd'hui, et un homme qui est capable d'être à votre écoute. Et cet homme pourra vous apporter une solution, la solution, des pistes de réflexion. Mais voilà, ici, il y a la présence d'un homme pour aujourd'hui. On y va pour nos énergies d'amour.
Hop, nous avons le numéro 3 qui nous incite à éternuer. Excusez-moi, il est coincé dans le nez, il ne veut pas sortir. Ah, vous savez ce que c'est, comme c'est pénible quand vous voulez achoumer et puis que s'il est coincé dans le nez, qu'il sort pas, c'est horrible, ça vous pique partout près dans le visage. Alors, le numéro 3 vous incite à aller de l'avant sans vous laisser distraire. Ah, alors là aussi, attendez, je vais vous montrer. On a une cohérence avec l'homme, parce que ici, pour moi, ça pourrait être n'oubliez pas vos obligations aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir l'occasion de prendre du plaisir ou de faire quelque chose qui vous plaît, ou alors justement, si vous rentrez en confidence ou en grande discussion avec cet homme, il se peut que vous ne voyez pas le temps défiler, mais n'oubliez pas que vous avez quand même des obligations dans la journée, hein. Imaginons, je sais pas, que vous papotiez avec cet homme, ne passez pas votre journée à faire ça. Il y a aussi d'autres choses, il y a votre journée, hein, aussi à gérer. Donc ça peut être ça. Je vous ai pas parlé, c'est vrai que j'oublie, excusez-moi messieurs, mais c'est vrai que j'ai une grande majorité de madames sur la chaîne. Mais pour vous messieurs, ça peut être aussi valable dans le même sens, c'est-à-dire que peut-être que vous rencontrerez aujourd'hui un problème avec une femme. Alors ça peut être d'ordre professionnel, personnel, social, familial, etc. Et le fait que vous ayez un homme avec une sensibilité féminine, il pourra justement vous apporter le côté plus doux, plus conciliant que le côté brut, hein, brut, pas brutre, ça veut rien dire brutre. Plutôt que peut-être répondre par la force, parce que c'est vrai que les hommes, en principe, je dis bien en principe, ils sont plus souvent sanguins et impulsifs qu'une femme est plus réfléchie. Avant d'agir, elle va prendre le temps de réfléchir. Un homme, parfois, il réfléchit pas toujours et il fonce tête baissée et c'est après, une fois qu'il s'est pris le mur, qu'il se dit « Ah, bah attends, je devrais peut-être pas faire comme ça ». Donc pour vous, messieurs, aujourd'hui, le conseil, ce serait ça. Ce serait plutôt que de foncer tête baissée, prenez le temps de réfléchir et de discuter avec un homme qui, encore une fois, pourra jouer le rôle de médiateur et de conciliant entre deux parties. Donc j'ai envie de dire que ce soit finalement homme ou femme, pour les deux, vous aurez peut-être affaire à cet homme-là qui aura une sensibilité et qui jouera le rôle de médiateur et de conciliant. Donc je vous disais que le numéro 3 vous incite à aller de l'avant sans vous laisser distraire. Autrement dit, aujourd'hui, ne vous laissez pas accaparer par une seule chose, par une seule personne, par une seule tâche, parce que c'est peut-être ce qui risque de se passer aujourd'hui. Peut-être que vous allez faire quelque chose dans laquelle vous allez prendre du plaisir. Et ça, c'est connu. Quand on prend du plaisir dans quelque chose, on ne voit pas le temps défiler. Alors, ou si on le voit défiler et on le laisse bien défiler, parce qu'on continue à faire ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Mais non, il y a aussi d'autres impératifs. Et il y a aussi d'autres choses qui doivent passer en priorité. Donc aujourd'hui, ce serait ça le conseil. Ne vous laissez pas accaparer par quelque chose qui visiblement va tenter de vous accaparer. Hein, c'est-à-dire consacrer un temps pour cette chose-là, mais revenez aussi à ce que vous devez faire sur le reste de la journée. Les deux peuvent être liés, comme je vous l'ai dit, comme ça peut être aussi deux choses qui sont complètement différentes. On va regarder maintenant avec les cartes des anges. Trois petits mots. Alors, 2, attendez, je crois qu'elle est collée. Non, 2, 2, 2, 2, et 3. Alors, donc pour la première qu'on a tirée, on va avoir la beauté. La beauté, c'est drôle, beauté tout de suite, ça me fait penser, ça me fait penser au shopping, ça me fait penser au bien-être. Des soins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez bénéficier de soins ou alors vous allez prendre rendez-vous avec des soins. Ça peut être un coiffeur. Alors, comme on avait un lien. Ah, bah oui, l'homme qui est connecté au côté féminin. Ça pourrait être un coiffeur, ça pourrait être un diététicien, un esthéticien, un personal shopper, un vendeur, enfin voilà, un relooker. Peut-être plein, 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 plein de choses. Un psychologue. Donc voilà, aujourd'hui, ça pourrait nous parler du coup de choses qui sont en lien avec la beauté, ou peut-être que aussi ça peut être un conseil pour vous dire de prendre soin de vous. Il est possible que ces derniers temps, vous ne preniez plus trop soin de vous parce qu'il y a eu la rentrée, parce qu'il y a le Covid, et parce qu'il y a le masque, et pourquoi je me ferais belle, et pourquoi je prendrais soin de moi, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Eh bien, c'est important de prendre soin de soi, pas tellement pour les autres, parce qu'on s'en fout. Concrètement, on s'en fout de savoir comment les autres nous perçoivent. L'important, c'est de
se sentir bien dans son corps. N'oubliez jamais que votre corps, c'est le temple de votre âme. Et il faut prendre soin de votre corps, sans tomber dans l'extrême non plus, superficialité et compagnie. Mais votre corps, c'est quelque chose qui est important. La vie vous l'a offert, vous l'a donné. Tel qu'il est, vous devez l'aimer. Et si vous ne l'aimez pas, eh bien, faites en sorte d'arranger des choses pour vous plaire. Et quand je dis arranger les choses, n'allez pas prendre rendez-vous avec le premier chirurgien esthétique pour tout vous refaire faire. C'est pas le conseil que je suis en train de vous donner, qu'on soit bien d'accord. Non, quand je vous dis s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans votre corps, il y a des... vous pouvez modifier. Par exemple, si vous voulez perdre 2-3 kilos, ça n'appartient qu'à vous de perdre 2-3 kilos. Il suffit de reprendre un bon régime alimentaire, de faire attention à votre alimentation, faire un petit peu de sport, et les choses rentreront dans l'ordre. Si votre coupe de cheveux, elle vous va plus, eh ben allez chez le coiffeur. Vous voyez, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Si vous ne supportez plus de vous voir le matin dans le miroir, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire ultra simples qui vont vous permettre déjà de mieux vous apprécier. Et c'est important. J'estime qu'il n'y a pas de tabou à avoir sur le fait qu'on a tous des complexes. Donc pourquoi avoir des tabous et puis cette hypocrisie à dire ce qui compte c'est la beauté intérieure? Oui, je suis d'accord que la beauté intérieure c'est important et ça compte. Mais je suis désolé, la beauté intérieure, la beauté extérieure, elle passe aussi. Et si on s'aime pas, si on se trouve moche, si on n'est pas bien dans sa peau, eh ben je suis désolé, on pourra avoir un super intérieur, eh ben on se sentira quand même mal. Donc il faut aussi prendre soin de soi, c'est important. Pour surtout nous, pour nous valoriser, nous, pour avoir, plutôt que d'avoir une piètre opinion de nous-mêmes, avoir, voilà, quand on se regarde dans le miroir, se dire aïe. Donc ici, pour moi, il y a un lien avec la beauté. Ça pourrait nous parler, je vous l'ai dit, soit de bien-être, mais il y a quelque chose en lien avec ça. L'équilibre, bah, c'est drôle, puisque l'équilibre, je suis en train de vous le parler. En train de vous en parler, excusez-moi, puisque je vous disais qu'il faut justement trouver cet équilibre, ne pas tomber dans les extrêmes, hein, c'est-à-dire ne pas ressembler à un clochard, mais pas ressembler non plus à une bimbo toute refaite. Il y a un juste équilibre ici. Bon, l'équilibre, il n'est pas forcément pour la beauté, mais il peut être aussi en lien avec le conseil qu'on a eu là dans l'oracle de l'amour, qui vous disait de ne pas vous laisser... Attendez, c'était quoi le conseil? De ne pas vous laisser... de ne pas vous laisser accaparer, hein. En gros, aujourd'hui, ne tombez pas dans un extrême ou un autre. Essayez de bien équilibrer les choses parce qu'il est possible aujourd'hui que vous soyez peut-être plus influencé par un truc, que vous ayez peut-être envie de faire que ça et d'en oublier le reste. Donc non, essayez de trouver un juste équilibre aujourd'hui. Et nous avons l'acceptation. Alors là aussi, c'est encore drôle, puisque je viens de vous en parler de l'acceptation. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'accepter les choses telles qu'elles sont. C'est aussi comme ça qu'on acquiert l'équilibre, parce que quand on reconnaît qu'il y a un problème, alors ça peut être ça pour tout, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou autre, dès qu'on accepte qu'il y a un déséquilibre, dès qu'on accepte qu'il y a un problème, c'est déjà un premier pas vers le rééquilibrage. Hein. Si par exemple, vous acceptez de façon consciente que oui, vous vous gavez de kebab et de fast-food et qu'effectivement, vous avez pris 20 kilos en 6 mois et que c'est de votre faute et uniquement de votre faute, déjà, vous voyez, là, c'est un premier pas parce que vous avez plus ou moins un déclic qui va se faire en vous disant « Ok, bon, je peux blâmer personne, c'est un peu de ma faute. » Si par exemple, vous avez passé, moi, je sais pas, toute la journée au travail à être sur votre écran de PC à jouer à Candy Crush et puis que votre patron, ce matin, il va vous serrer la bride en vous disant « Bon, et ce dossier, il arrive ?» Bah, vous pouvez vous en prendre qu'à vous aussi, hein. Vous aviez le choix, soit faire avancer le dossier, soit ne pas jouer. Donc vous voyez, le fait d'accepter les choses, ça permet un premier pas vers un dénouement. Alors attention, ça ne vous apporte pas la solution, mais le fait d'accepter et de reconnaître, ça vous aidera à avancer. Donc aujourd'hui, on a cette étape d'acceptation. À vous de voir qu'est-ce que vous allez devoir accepter et reconnaître aujourd'hui. Allez, on termine maintenant avec la petite prédiction du jour. Alors, nous avons le soleil nord 1. Soleil nord 1. Droite, gauche, j'en sais rien. Droite. Droite, et je sais pas, au début, au milieu, vers la fin, je sais pas non plus. Hop, allez, par là. Allez, j'ai dit droite. Droite, droite, j'ai dit nord. Nord, soleil, ce sera le crâne et le 1. Le 1, ce sera le 3. Et c'est une paire d'ailes blanches. Donc, crâne 1, blanc. Crâne 1, blanc. Où est-ce qu'il est, le crâne? Rose. Livre. Crâne. Crâne, je vous ai dit 3, blanc.
Ce médaillon annonce un rival, un prétendant, une personne malveillante pour une relation amoureuse. Et la paire d'ailes blanches nous parle de doute, de désillusion, mais cela peut être temporaire. Hop, je vous montre. Alors, c'est quand même curieux. Lorsque je vous ai parlé de la fameuse copine à qui vous pourriez vous confier et qui vous conseillerait des trucs, nanana, vous vous souvenez que je parlais des rivales. C'est quand même drôle du coup qu'on ait cette prédiction-là. Parce que pour le coup, aujourd'hui, ça pourrait vraiment nous parler de rivalité. Donc faites attention aujourd'hui, si vous êtes amené à vous confier ou si vous cherchez peut-être des solutions ou des conseils ou des choses pour vous aider, pour vous éclairer, peut-être que la première personne à qui vous pensez n'est peut-être pas la meilleure, le meilleur choix, la meilleure possibilité. Essayez peut-être une autre piste. Faites attention aussi des choses dans lesquelles vous vous lancez. Là, je parlais plutôt professionnellement. Faites attention si vous avez des projets, si vous avez des choses, essayez de les garder pour vous. Le mieux, c'est ça, je peux vous en parler en connaissance de cause. Le nombre de fois, surtout dans le cosplay, le nombre de fois où j'ai eu le malheur, surtout au début, quand j'étais trop content que j'annonçais un truc et puis qu'une semaine après, je voyais le même costume quasiment qui sortait et que j'avais bien les boules parce que j'avais compris qu'on m'avait tout pompé. J'ai appris du coup avec l'expérience que lorsque vous avez un projet en tête, lorsque vous avez une envie particulière, n'en parlez pas. Parlez-en quand votre projet est prêt à être réalisé, quand il est prêt à être finalisé, quand il va débuter, que du coup, il n'y a plus personne qui pourra vous piquer l'idée parce que vous l'avez déjà amorcé. Mais voilà, si vous avez des choses en tête, gardez-les pour vous. Voilà, mes chers amis. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.